pigeon voyageur. Un pigeon voyageur. Oh, Cali, César, venez voir, vite. Qu'est-ce qu'il y a, Pacha? J'ai trouvé un pigeon voyageur. Un pigeon? Mais où ça? Mais ici, dans mon livre. Oh! Il n'a même pas de valise. Es-tu sûr que c'est un voyageur, ton pigeon? Évidemment. Je l'ai appris à l'école. C'est même un très, 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 très grand voyageur. Il fait le tour du monde. Mais oui. Oh. Mais oui, il va porter des messages un peu partout. Attends. Regarde. C'est... Mais tiens, c'est comme un facteur du ciel. Oh, j'aimerais ça, moi, jouer avec un pigeon voyageur. Oh, moi aussi. Et puis on lui donnerait nos messages et hop, il irait les porter. Oh, il y en a peut-être un près d'ici. Pigeon, pigeon. Comment on peut en attirer un? Attends, je vais regarder. Mais je l'ai. Il faut installer un pigeonnier. Oh. Un pigeonnier? Non, un pigeonnier. Oh. C'est une maison pour les pigeons. Oh. Oui, on va en construire une. Ah oui, un pigeonnier, yeah. Une maison pour les pigeons, on va faire un pigeonnier, yeah. Une maison pour notre pigeon, on va faire un pigeonnier, yeah. Enfin arrivé. Oh, quel voyage, Carapachou! Je vais aller chercher la caisse de bois. Oh, mes amis! Et puis non, je n'ai même pas la force de leur dire bonjour à mes amis. Je tombe de sommeil! Je vais la mettre sur le banc. On y va. Et les céréales, est-ce que je les mets dedans ou à côté? Les céréales? Non, ce n'est pas pour toi. Oh, juste un tout petit peu. César, un petit peu pour goûter. C'est pour le pigeon. Tiens, Cali. Merci. Bon, tout est prêt. J'ai hâte qu'un pigeon arrive. Mais, chut, écoutez. On dirait un pigeon qui roucoule. Un pigeon? Qui roucoule quoi? Qui roucoule. Chut. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je t'ai pris pour un pigeon. Un pigeon? Oui. Moi? Je ne ressemble pas du tout à un pigeon. Est-ce que je roucoule comme un pigeon? Oui, on dirait un vrai. Tu l'as mis tellement bien, pigeon, que veux-tu jouer au pigeon voyageur avec nous? Mais oui, tu pourrais transporter nos messages. Allez, oui. Oh oui, Igor, dis oui. Mais je veux dormir, moi. Oh. Dis oui. Et puis, regarde, oui. On t'a fait un beau pigeonnier. Oh, la belle maison. Oh, on doit y être bien pour dormir. Ah, youhou! Il veut, Igor a dit oui. Youhou, il veut jouer. Tu es sûr? Mais oui. Regarde, tu vois? Il joue déjà. Alors vite, il faut se préparer. Oui, allons-y. Bon, vous deux, quand vos messages seront prêts, dites à Igor de me les apporter, d'accord?
Bon, moi, je vais attendre dans le jardin. Un cœur, un baiser. Pacha va être content. Oh, hé, pigeon, on a besoin de toi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Tu vas apporter ce message à Pacha. Mais non, de l'autre côté. Oui, par là. Mais non, Igor, il faut que tu voles, tu es un pigeon, n'oublie pas. Mais plus vite, Igor, plus vite. Mais vas-y, c'est de l'autre côté. Oui, c'est ça, de l'autre côté. C'est ça, un petit effort. Hé, tu es presque arrivé. Notre pigeon a fait un trou d'atterrissage. Est-ce que tu t'es fait mal, Igor? Attends. Non, ça va. Oh, Carapachou, oh, je sais pourtant qu'il ne faut jamais s'endormir en volant. Le beau dessin. Ça veut dire qu'il m'aime beaucoup. Oh, eh bien, moi, je retourne me coucher. Oh, attends. Attends, Igor. Non, quoi encore? Moi aussi, je veux leur envoyer un message. Tiens, va leur porter. Allez. Et après, je vais pouvoir me recoucher. Mais vite. Oh, mon pigeonnier, vite. Oh non. Alors, le message? Quel message? Mais Pacha ne t'a pas donné de message pour nous? Mais oui, il est ici. Igor l'a laissé tomber. Mais non, pas comme ça, Igor, pas comme ça. On doit retourner dans le jardin, tu dois t'envoler comme un pigeon. Non, je ne joue plus. Quoi? Je suis trop fatigué. Vous voulez un facteur, la tête dans les nuages, un pigeon voyageur pour porter vos messages. Mais moi, pauvre de moi, je n'ai pas la tête à ça. Je tombe de sommeil et je baille au cornet. On voudrait un facteur, la tête dans les nuages, un pigeon voyageur pour porter nos messages. Mais moi, pauvre de moi, je suis trop claqué pour ça. Je n'ai qu'une seule idée, c'est d'aller me coucher. On voudrait un facteur, la tête dans les nuages, un pigeon voyageur pour porter nos messages. Mais moi, pauvre de moi, je rêve d'un matelas pour poser mes vieux os et trouver le repos. Pauvre Igor, il n'y a rien à faire. Il est trop fatigué. On n'a qu'à se trouver un autre pigeon, c'est tout. Oui, mais si on veut en attirer un vrai, il faut qu'Igor lui laisse la place. Ah oui. Igor. Non, je suis trop bien. Oh. Laissez-moi. Mais Igor. Oh, Carapachou. Oh, il y a sûrement d'autres moyens d'envoyer des messages. Oh, oui, il y a le téléphone. Quoi? Oui, c'est ça. Vous pourriez vous parler au téléphone. Mais, Igor, on n'a pas le téléphone, tu le sais bien. Vous pouvez vous prendre un grand tuyau et vous parler à chaque bout. C'est vrai. On peut prendre le tuyau d'arrosage. Ah oui, oui. Oh, allons-y. Je vais voir dans ma niche. Ah oui. Oh, il est prêt à vous. Je sais. Là. Oh, voilà. Oh, je l'ai. Bravo, Kali. Bravo. Elle est prête. C'est un petit peu. Oui, je dirais.
Enfin, je vais pouvoir dormir en paix. Oh, j'espère que ça va fonctionner. Cali? César? Allô? Évidemment, je dois parler dedans. Allô? Allô? Allô, Cali? M'entendez-vous, César? Allô? Mais je n'entends rien. C'est sûrement bouché. Qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y. Allô? Pacha? Allô? Pacha, m'entends-tu? Pacha! Igor, ça ne marche pas. Ton émotion fonctionne. Rien. Écoute. Mais Igor. Hey, Igor. Igor. Cali? César? M'entendez-vous? Ça marche. Allô? Je peux dormir maintenant. Pacha, m'entends-tu? Je sais ce qui manque à notre invention. Allô, téléphone. Oui. Pacha? Es-tu là? Pacha? Je t'en prie, César. J'essaie de dormir, moi. Excuse-moi. Écoute, Pacha, Cali est partie chercher quelque... Écoute, Pacha. Ça sonne! Cali a trouvé une cloche! Oh non! Pacha, m'entends-tu? Cali a trouvé une cloche, bonne idée! Tout mon téléphone! Quelle idée j'ai eue de leur dire de jouer au téléphone! J'aime encore mieux jouer au pigeon voyageur! Tu veux jouer au pigeon voyageur? Oui! Mais, seulement quand j'aurai pu me reposer! Il faut d'abord me laisser dormir. Oui.